Bonjour, Romain Troublé, je suis le directeur général de la Fondation Tara Océan. Je dirige les équipes de la Fondation depuis longtemps maintenant, et on est quand même une vingtaine. La mission Microbiome part aujourd'hui de l'Orient, pour 21 mois dans l'hémisphère sud, presque autour de l'Amérique latine et de l'Afrique, s'intéresser aux écosystèmes marins et comprendre comment cet océan nous rend autant de services chaque jour. Il nous fait respirer, il nous stocke du carbone, il produit des protéines. Alors les microbes, c'est pas que des méchants virus, c'est aussi beaucoup de bactéries indispensables à la vie. On en a plein dans notre intestin qui digèrent pour nous notre alimentation. Et bien dans la mer, il y en a beaucoup aussi des microbes qui sont responsables du maintien des grands équilibres planétaires. Alors aujourd'hui, c'est le 12 décembre, c'est l'anniversaire des 5 ans de l'accord de Paris sur le climat. Alors le bilan n'est pas terrible, on est pris à la gorge par le court terme aujourd'hui par ce Covid, mais les enjeux de long terme, ils sont là, ils sont bien là, et il faut absolument partir sur les océans. Mon meilleur souvenir sur Tara, c'était au sud du Cap Horn, il y a une dizaine d'années, où il y avait 50 nœuds de vent, 100 km/h de vent, il neigeait à l'horizontale et on était sous voile et on était les rois du monde devant ces éléments déchaînés. On a l'habitude de dire bon vent et bonne mer, il y a du vent qui arrive, là il y a une dépression, mais très vite ils seront au niveau de l'équateur, très vite ils seront au chaud